Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ces jolis cols. Donc, j'en ai fait un bleu et un rose, tellement qu'ils sont jolis et rapides à faire. Écoutez, j'espère que le modèle vous plaît. Et sur ce, on passe au pas à pas. Pour réaliser les cols, donc vous allez avoir besoin. Pour un col, il vous faut deux pelotes. Mais des deux pelotes, vous allez utiliser environ une pelote et un tiers. Vous voyez ? Donc voilà, c'est quelque chose de léger, ça doit faire environ 130 grammes, vous voyez, autour du cou, ou 140 grammes, voilà. Et donc voilà, donc il vous faudra deux pelotes pour un seul col. Maintenant, j'ai croché tout ça avec le crochet numéro 5. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Et puis c'est tout. Donc voilà, tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc je précise juste pour les personnes qui ne connaisseraient pas la laine bébé que c'est une laine anti-bouloche. Donc c'est-à-dire que jamais, jamais, jamais vous allez trouver des petites boulettes dans votre ouvrage. Voilà. Donc c'est une laine vraiment très moelleuse, vous voyez, très douce. Donc voilà, je vous invite vivement à la tester si vous ne l'avez jamais testée. Donc voici, ce sont des pelotes de 100 grammes, vous voyez. Ces deux magnifiques cols, je vais vous les faire cadeau. Donc, je vais envoyer un col à une personne et le deuxième à une deuxième personne. Donc, tout simplement, pour savoir à qui je vais envoyer ces deux jolis cols, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Et puis, tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai marquée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort cette fois-ci deux gagnants, voilà. Et puis, ça sera ces deux personnes qui recevront chacune son col. Alors, les couleurs, on les mettra comme ça, voilà, sans réfléchir. Elles sont, je vous promets qu'elles sont absolument magnifiques, toutes les deux. Avec un jean, avec n'importe quel col roulé en dessous, peu importe comment vous vous habillez, une veste en jean, etc. Ça va avec tout. Voilà, avec votre doudoune, etc. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous tiendra chaud. Et sur ce, on passe au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. Avant de commencer, je vais vous donner toutes les mesures. Donc au total, une fois qu'il est comme ça. Donc vraiment là, donc c'est sous votre menton, on va dire, le col roulé, jusqu'en bas où il y a la frange, 44,5 cm. Maintenant, de largeur totale ici, on obtient donc vraiment, voilà, allez, le plus large possible, 30 cm. Ici, au niveau du col, on obtient de largeur totale, vous voyez, 20 cm, mais bien évidemment, ça s'élargit. Et que vous donnez de plus, 17 cm, ça fait le point élastique, je vous l'ai mesuré dans le tutoriel. Et ici, de la base du point jusqu'à là, j'ai 26,5. Donc voilà les mesures du col. Je vais commencer en vous montrant avec une autre couleur, donc pas avec le vieux rose, mais avec le bleu ciel. Donc on va faire un deuxième col de cette couleur-là, qui est pour moi absolument magnifique, ça me fait penser quand il neige, etc. C'est ce genre de couleur que j'aime bien porter. Donc, on fait ici un nœud coulant et on vient fixer ce nœud coulant ici avec une, deux et trois mailles en l'air qui équivaut à une bride. On en fait une de séparation et au même endroit, on refait une bride. Ça, ce qu'on vient de faire ici, c'est vraiment le motif de bord. Je vous montre ici. Sur le modèle terminé, vous voyez, c'est tout ce qui... En permanence, il va y avoir ça sur les bords. Donc, maintenant, on fait une et deux mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, on refait un motif de bord. Une bride, une maille en l'air et au même endroit, une bride. Comme ceci. On vient fermer le nœud coulant pour terminer le rang. On retourne et on passe au rang 2. Le rang numéro 2, on va commencer déjà tous les rangs de la même manière. On vient piquer dans l'espace ici, vous voyez, de la petite V qui va se trouver tout le temps sur le bord. On ramène le fil et on fait une maille coulée, ici, comme ceci. Une, deux, trois et quatre mailles en l'air. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Au même endroit, toujours, une bride. Donc du coup, on a refait au milieu du petit motif de bord, un motif de bord. Maintenant, on fait toujours une maille en l'air après ce motif de bord. Ici, au départ, après le motif de bord du départ, et ici, juste avant le motif de bord de la fin, on fera également une maille en l'air. Donc après cette maille en l'air, ici au milieu, vous venez faire une bride, deux mailles en l'air et toujours au milieu, une bride. Ici, on est sur le point terminé, donc on fait une maille en l'air. Et ici, au milieu, vous voyez,
de cette petite V du bord, on pique et on fait une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Là, on a terminé le rang numéro 2. Le rang numéro 3, on retourne, c'est le côté principal de notre col. Et on va venir faire toujours, en commençant, une maille coulée ici. Vous voyez, vous faites une maille coulée au centre du motif de bord. Là, on est prête pour en refaire un. Donc, 1, 2, 3, 4. Et au même endroit, une bride. Ça, c'est le motif de bord. Une maille en l'air, vous voyez, celle que je vous avais dit à la fin et au début. Ici, on a la petite V qu'on était venu faire au centre. Une bride, deux mailles en l'air et une bride. Cette bride, donc la première, vous allez venir l'envelopper en relief par devant et faire un point pouf de 3 jetés. Donc, je refais doucement. Un jeté. Ici, vous avez la bride. Vous l'enveloppez en relief. Vous ramenez votre fil et vous le tirez. Un jeté. On enveloppe de nouveau une deuxième fois la même bride. On ramène et on tire. Un jeté. On pique, on ramène. Et on tire. Là, on l'a fait 3 fois. Une fois qu'on a fait ces 3 fois, on le termine et on le fixe. Vous voyez ? Tout simplement. À l'intérieur de cette petite V qui est au milieu, vous voyez, on a enveloppé déjà la première bride de cette petite V. Maintenant, à l'intérieur de la petite V, on va faire dedans 3 brides. Donc ici, 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit, toujours 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, j'ai la deuxième bride, vous voyez, de la petite V qu'il y avait au milieu. Elle est libre. Donc, on doit l'envelopper 3 fois. Vous voyez, on relief par devant, on ramène le fil, on tire. On maintient ce fil avec le doigt. Un jeté. On enveloppe, on ramène le fil, hop, on bloque de nouveau. Un jeté. On enveloppe, on ramène le fil. Et maintenant qu'on a fait ces 3 fois, un jeté, on passe à travers toutes sauf la dernière, un jeté les 2 dernières. Comme ceci. Vu qu'on est sur le point de terminer, on fait une maille en l'air. Et puis ici sur le bord, au centre du motif de bord, on en refait un. On fait une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Comme ceci. Là, on a fini le rang 3. On retourne le rang numéro 4. C'est le rang en fait de préparation avant de réaliser ce remplissage. Donc c'est le rang où on fait les petites V. Donc d'abord on commence en faisant notre motif de bord, maille coulée, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit. Comme ceci. Une maille en l'air, rappelez-vous, au départ et à la fin, il y a toujours notre maille en l'air. Après ceci, vous allez venir entre le motif de bord et le motif principal. Il y a un espace. Dedans, vous faites de nouveau une bride, deux mailles en l'air et au même endroit une bride. Comme ceci, vous voyez? Maintenant qu'on a fait ça, deux mailles en l'air. Au milieu du motif, rappelez-vous, on avait enveloppé une bride avec le point pouf. Et dedans, on avait fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous cherchez votre maille en l'air. Vous introduisez le crochet et ici, vous faites une maille serrée. On refait la même chose de l'autre côté, deux mailles en l'air. Vous faites ici, juste avant le motif de bord, une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Vous terminez en faisant une maille en l'air et le motif de bord. Donc rappelez-vous, au centre du motif de bord antérieur, une bride, une maille en l'air et une bride. Là, on a fini complètement le rang numéro 4. Le rang numéro 5, on retourne. On commence en faisant la maille coulée, ici au centre du motif de bord. Maille coulée. 1, 2, 3, 4. Au même endroit, une bride. C'est notre motif de bord. En plus, ça c'est vraiment très utile. Si vous voulez mettre des franges, vous allez les mettre en fait dans chaque petit espace. C'est vraiment très tendance aussi avec plein de franges. Donc c'est vraiment à vous de voir. Moi j'aime bien soit le gros pompon au bout, soit les franges. Vous voyez ? Donc voilà, tout seul, je trouve qu'il manque une touche. Mais après, c'est vraiment chacun ses goûts. Donc après le motif de bord, une maille en l'air. Et puis, ici, vous avez la V. La grande V qu'on a fait de préparation. Vous voyez, d'abord, on en avait une. Maintenant, on en a une et deux. Ces deux-là, on va venir donc les remplir. On s'occupe de la première. Rappelez-vous, la première bride, on l'enveloppe 3 fois en relief par devant. Une, deux et trois. On ferme tout et on fixe.
À l'intérieur de la petite V, on fait nos trois brides. Une, deux et trois. Une maille en l'air et au même endroit toujours, trois brides. Une, deux et trois. Ici, on a une bride à gauche. Vous l'enveloppez de nouveau trois fois. Une, deux, trois. On ferme et on fixe. Vous voyez ? On passe directement au motif suivant, qui est ici. Vous enveloppez la première des brides. 1, 2 et 3. On ferme et on fixe. À l'intérieur de la petite V, nos trois brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation et toujours au même endroit, trois brides. 1, 2 et 3. On enveloppe la bride ici en relief trois fois de nouveau. Une, deux et trois. On ferme et on fixe. Maintenant qu'on a fait ceci, une maille en l'air avant de terminer. Et on vient faire notre motif de bord. Une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Vous voyez, là on a complètement fini le rang numéro 5. Et en fait, on va venir répéter le rang 4 et 5. Tout le long en fait. Hein. Donc maintenant, on retourne. On commence le rang suivant. Maille coulée au centre du motif de bord et un motif de bord. 4 mailles en l'air et une bride au milieu. Vous voyez ? Une maille en l'air. Ici, je dois faire le rang de préparation parce qu'on alterne toujours deux rangs. On a le rang de remplissage, c'est de ce côté-là, et le rang de préparation de ce côté-là. Donc ici, juste après le motif de bord, une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Deux mailles en l'air de séparation. Ici au milieu du motif, rappelez-vous, on fait une maille en l'air entre trois brides et trois brides, une maille en l'air. Donc au milieu, maille serrée. Maintenant, deux mailles en l'air. Ce qui est important maintenant, c'est que les petites V du centre, on va dire, pas sur le bord, mais tout le long, au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de motifs. À partir de maintenant, les motifs qui ne sont pas sur le bord, les autres du milieu, ils se font ici. Regardez, vous soulevez ici, vous avez un espace entre ce motif-là et ce motif-là, vous venez piquer dedans, et puis ici, vous faites une bride, deux mailles en l'air et une bride. Deux mailles en l'air de séparation, je passe ici au centre du motif suivant, maille serrée. Deux mailles en l'air, il me manque faire ma dernière petite V de préparation, juste avant le motif de bord. Vous voyez, ici, une bride, deux mailles en l'air et une bride. Une fois que c'est bon, avant de terminer, vous faites bien votre maille en l'air. Et puis on termine en faisant le motif de bord. Une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Vous voyez, là on a terminé. Et comme vous pouvez voir, on a préparé déjà les espaces pour faire trois motifs. Alors qu'on en avait deux. Vous voyez, d'abord un, deux, maintenant il y en aura trois. Ensuite, il y en aura 4, 5, 6, etc. Donc, on passe au rang maintenant de remplissage. Mais avant, je vais me préparer un petit peu de fil. Donc, pour le rang de remplissage, on commence en faisant notre motif de bord. Donc, ça va être toujours pareil. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Au milieu, une bride. Une maille en l'air. Ici, j'ai une petite V. Donc, c'est-à-dire une bride, deux mailles en l'air et une bride qu'on est venu préparer dans le rang antérieur. La première de ces brides, vous allez venir l'envelopper trois fois. 1, 2 et 3. On ferme et on fixe. Dans cette petite V, la même chose que tout à l'heure. Donc, trois brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et au même endroit, trois brides. 1, 2 et 3. Maintenant, cette petite V, elle a une bride également à gauche. Donc, celle-ci, on enveloppe également trois fois. 1, 2 et 3. On ferme et on fixe. On passe directement de ce motif-là au suivant, qui est au milieu. Vous voyez, vous avez la petite V là. Eh bien, vous la refaites exactement à l'identique que celle-ci, par exemple. C'est la même chose. Donc, la première bride, enveloppée trois fois par devant. 2 et 3. On ferme et on fixe. À l'intérieur, trois brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et trois brides. Une,
2 et 3. Cette petite V à gauche, cette petite bride, pardon, 3 fois de nouveau. 1, 2 et 3. On ferme et on fixe. On passe à notre dernière petite V et on la remplit de la même manière. La première bride des deux, vous l'enveloppez 3 fois. À l'intérieur, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Quand on a fini, on enveloppe la deuxième bride de cette petite V 3 fois. Ferme et on termine. Une maille en l'air avant de terminer toujours. Et sur le bord, vous faites le motif de bord. Une bride, une maille en l'air et une bride. Comme ceci. Là, vous avez complètement terminé. Vous voyez ? Donc, de 2 motifs, on est passé à 3. Maintenant, je pense que vous avez compris. Vous allez venir continuer d'alterner les 2 derniers rangs. Donc là, par exemple, vous retournez. Et c'est un rang de préparation de toutes les petites V qu'on doit faire. Il y en aura une ici au départ, juste après le motif de bord. Il y en aura une ici entre les 2 motifs. Vous voyez, au milieu. Une troisième ici entre les 2 prochains. Et une quatrième juste avant le motif de la fin. Vous voyez ? Ensuite, vous retournez et puis vous venez remplir tous les motifs, vous voyez ? D'affilée comme ça, les uns après les autres, jusqu'à arriver à la fin. Donc voilà, vous allez alterner ces 2 rangs jusqu'à avoir, donc ça c'est vraiment très important. Donc imaginez-vous que votre cou il est là et ça c'est vos épaules. Donc votre cou il est là. Vous devez avoir ce triangle-là. Que quand vous le prenez, vous voyez, il passe dans votre cou et à la moitié en fait des clavicules. Vous voyez qu'il monte un petit peu. Hop, comme un sourire, comme ça, qui vous enveloppe un peu le cou. Et quand c'est bon, on passera au rang de diminution qui donnera la forme à ce triangle, comme ceci. Vous voyez, arrondi, en forme vraiment de sourire. Puisque là, c'est droit. Si on commencerait à travailler le col en haut, ça ferait vraiment horrible au niveau en fait d'en haut. D'en haut, en fait, ce qui est juste en bas de votre cou, ça ferait quelque chose de vraiment laid. Ça ferait tout comme ça, au moment de le porter. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est qu'il tombe impeccable comme le col bling bling. Donc, pour cela, on fait un tour entier de diminution, ce qui donne, en fait, cette forme juste parfaite. J'ai terminé ma partie, donc, de triangle. Au total, donc, de rang, j'en ai fait 21. Et ça m'a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motifs. Personnellement, je trouve que c'est bon. Donc, je vais venir tout simplement commencer à faire, vous savez, le sourire que je vous disais. Pour que ça enveloppe très très bien le cou. Donc, je retourne. On vient reprendre la boucle. Et on va passer au rang de diminution. Donc, une fois que vous avez les rangs que vous souhaitez, vous devez terminer par un rang ici de remplissage. Comme ça, le prochain, il est derrière. Donc, le rang de diminution. On va toutes faire la même chose. Comme ça, c'est fait. Vous faites une maille coulée au centre du motif de bord, une maille en l'air et une maille serrée. Ici, au centre du motif de bord. Donc après ma première maille serrée, une maille en l'air. Ici, dans l'espace qu'il y a juste entre le motif et le motif de bord, une maille serrée. Une maille en l'air. Je passe au centre de mon motif, là où on avait fait la maille en l'air, entre 3 brides et 3 brides. Maille serrée. Une maille en l'air. Je passe ici, entre les 2 motif, maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée sur, ici au centre du motif, une maille en l'air, entre motif et motif, maille serrée, une maille en l'air, au centre du motif, une maille serrée, une maille en l'air, entre motif et motif, une maille serrée. Donc on va poursuivre ainsi jusqu'à terminer. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Entre motif et motif, une maille serrée, une maille en l'air, au centre du motif, une maille serrée. Une maille en l'air entre motif et motif, maille serrée. Une maille en l'air. Au centre du motif, maille serrée. Une maille en l'air. Entre motif et motif, maille serrée. Une maille en l'air. Au milieu du motif, une maille serrée. Une maille en l'air, etc. Vous voyez, c'est toujours pareil jusqu'à terminer. On alterne les mailles serrées, les mailles en l'air. Ça va très très vite. Hein? Ici, on fait une maille serrée, une maille en l'air. J'arrive au centre de mon dernier motif. Maille serrée, une maille en l'air. Maille serrée entre le motif de bord et le motif.
comme on a fait de l'autre côté, une maille en l'air et une dernière maille serrée au centre du motif de bord. Je vais vous montrer la forme qui est en train de prendre ici. Vous prenez les pointes, vous voyez, vous les tirez vers le haut. Je vais vous dézoomer. Le mieux, c'est pour que vous voyez, c'est que je vous dézoome et vous allez voir la forme qu'a pris immédiatement le col. Je retourne, ça vous le voyez des deux côtés. C'est déjà en train d'encercler, vous voyez le cou. Donc maintenant, ici, je suis venue faire, moi personnellement, on va entamer les mailles en l'air maintenant. Les mailles en l'air, en fait, qui vont faire tout le tour. Je vous montre ici, sur le col que j'ai terminé, c'est les mailles en l'air, en fait, ici. Vous voyez qu'il faut monter. Je vais venir le déplier. Vous voyez, là, on a fait le premier rang de diminution. Maintenant, ce qu'on va faire pour unir ces deux pointes ensemble, c'est faire des mailles en l'air ici. Ensuite, il faudra juste travailler le point élastique. Vous voyez? Donc, on reprend notre ouvrage. Et ici, personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue faire 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Personnellement, j'en ai fait que 30, puisque quand je fais comme ceci, vous voyez, le tour, il est largement suffisant pour moi, je trouve. Donc voilà, vous pouvez très très bien en mettre un peu plus. Hein. Et sachez aussi qu'ensuite, quand on va commencer à travailler au point élastique, ça va venir se refermer légèrement. Donc, après les mailles en l'air que vous avez choisi de faire, ce que vous allez faire, c'est venir piquer ici, du côté envers, vous voyez, ici dedans. Dans la première des mailles serrées que vous avez fait, qui est là, et je fais une maille coulée. Maintenant, on retourne comme ça pour travailler du côté endroit, vous voyez, et on va venir travailler sur toutes les mailles chaînettes qu'on a fait. Donc, je vous rapproche de nouveau, et puis ça, c'est ce qu'on va venir faire. Donc, on va faire une bride dans chaque maille. On commence déjà en levant trois mailles en l'air. Ici, tenez bien la maille chaînette droite, vous piquez dans la première, ici, et je fais ma bride. Je vais dans la maille suivante, bride, dans la maille suivante, bride, dans la maille suivante, bride, jusqu'à avoir fait, ben, dans toute ma maille chaînette, il faut qu'il y ait une bride dans chaque maille. Vous voyez, c'est facile. On a uni comme ça la maille chaînette. Ensuite, j'ai retourné, j'ai monté trois mailles en l'air et je travaille sur ma maille chaînette. Donc, on continue jusqu'à avoir fait une bride dans toutes les mailles. J'ai complètement fini. Donc maintenant, quand on arrive au motif, on fait. Là, on a des mailles serrées et des mailles en l'air. Rappelez-vous, on a alterné mailles serrées, mailles en l'air, mailles serrées, mailles en l'air. Tout simplement, on fait une bride sur les mailles serrées et une bride là où on avait fait les mailles en l'air de séparation. Une bride sur les mailles serrées et une bride dans les mailles en l'air. Une bride sur les mailles serrées, une bride dans les mailles en l'air. Donc vous alternez ainsi jusqu'à arriver au départ du rang. N'oubliez pas qu'ensuite, le point élastique, ça resserre le tout. Hein. Vous allez voir, ça va faire vraiment très joli. Et pour moi, ça, c'est très, très, très pratique. Et ça s'enfile en 2 secondes sous un manteau en plus. On dirait limite qu'on a un pull en dessous. C'est vraiment très, très beau. Je vous en ferai beaucoup cet hiver. Je vous en ferai enfin, beaucoup souvent. Et vous allez voir l'utilité qu'a ce genre de petit col. Pour les enfants aussi, c'est plus pratique qu'une écharpe. Et puis, dans les écoles, c'est moins dangereux de leur faire des petits cols comme ça, ou comme le bling bling, plutôt que des écharpes. J'ai terminé de faire tout le tour. Regardez, je vous montre. Ici, on arrive là. Vous mettez bien le col droit, vous voyez. Et vous venez unir à la troisième maille en l'air par une maille coulée. Après avoir fait votre dernière bride sur la maille serrée qu'on avait sur le bord.
Maintenant, on commence le point élastique. Donc, le point élastique, c'est on enveloppe d'abord les trois mailles en l'air, on relève par devant et on fait notre maille coulée. Et vous allez voir qu'avec cette tactique, je vais vous montrer sur le col terminé. Donc, ici. Donc, déjà, c'est par ici que je pourrais savoir où c'est que j'ai terminé. Là. Voilà, ça, c'est le départ à chaque fois du rang. Donc ici, vous voyez, on a le départ du rang. C'est là où j'enveloppe à chaque fois les brides. Et vous voyez, du coup, ça fait le point élastique qui continue. C'est ici, vous voyez. Si on n'aurait pas fait ça, on aurait eu de cet espace-là jusqu'à cet espace-là, complètement plat. Imaginez-vous comme ça n'aurait pas fait joli. Vous voyez, de l'autre côté, vous voyez, c'est vraiment en continu. Donc c'est pour cela que je vous conseille de faire toujours cette astuce, de prendre l'habitude en fait, et quand vous travaillez au point élastique, faire ça. Et vous allez voir que le résultat, les finitions sont vraiment beaucoup plus jolies. Donc, une fois qu'on a enveloppé les trois mailles en l'air en relief par devant, on monte avec trois mailles. La bride suivante, on l'enveloppe en relief par derrière. La suivante, par devant. La suivante, en arrière. La suivante, en avant. Et vous allez venir alterner tout le long. Une en arrière et une en avant. Une en arrière, une en avant. Donc vous continuez ainsi, vous allez terminer par une bride en relief par derrière. Je suis sur le point de terminer, j'ai terminé par ma bride en relief par derrière. On pique dans la troisième maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. Maintenant le troisième rang et tous ceux qui vont suivre, vous allez faire la même chose. On enveloppe ici les trois mailles en l'air en relief par devant. Une, deux, trois. La maille suivante en relief par derrière, puisqu'elle est en relief par derrière. Donc vous allez crocheter comme ça se présente. Ici j'ai une bride en relief par devant. Vous voyez, elle sort en fait en évidence devant vous. Vous l'enveloppez en relief par devant et puis vous faites votre bride en relief. La suivante, elle est renfoncée, donc en arrière. Et vous alternez comme ça se présente. À la fin de ce rang, vous allez unir normalement à la troisième maille en l'air ici et vous recommencez à l'identique le prochain rang comme celui-ci. Vous enveloppez les trois mailles en l'air, maille coulée, trois mailles en l'air et c'est reparti comme ça se présente. Donc ça, vous allez le faire. Donc ici, ce que je vais venir faire, c'est vous mesurer ce que j'ai fait moi, mais bien évidemment, vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez le faire plus long, plus court, etc. Donc ici, moi personnellement, j'ai fait 17 cm au total. Et je trouve que c'est super. Maintenant, vous pouvez en faire plus ou moins. À vous de voir. Donc, je continue ici et on se retrouve. J'ai terminé de travailler la hauteur que je souhaitais. Donc, 17 cm. J'ai fait pareil que l'autre, moi, personnellement. Donc, maintenant, je fais ici une maille coulée dans la maille suivante. Juste vraiment après avoir uni. Hein, une maille coulée dans la maille suivante, juste vraiment pour égaliser le tout. Une maille en l'air et on tire. Ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers votre ouvrage. Donc maintenant, vous mettez le col comme ça devant vous. Je vous dézoome. Vous voyez, il me reste encore un petit peu de la pelouse. Donc ici, une fois que vous avez le col comme ça devant vous, vous avez juste qu'à retrousser le col en deux. Donc ici, j'ai l'union de la deuxième pelote. Vous voyez que je vais devoir cacher les fils par la suite. Donc voilà, une fois que, vous voyez, vous le mettez correctement. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est décorer vos cols. Voyez, les décorer comme bon vous semble. Donc vous pouvez soit, ici je vous ai préparé un pompon à franges pour que vous voyez, un gros pompon à franges que vous pouvez mettre en bas, ici, pour décorer. Ensuite, vous pouvez mettre des franges de partout. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez comme option. J'ai réalisé ici un gros pompon à franges. Je vous mettrai le lien d'une vidéo où je le fais, où je le réalise déjà. Et comme ça, vous pourrez le faire à la maison. Donc, la particularité de ce pompon, c'est qu'il est vraiment très très gros. J'ai mis plein de franges pour qu'il soit bien touffu. Et là, on va venir tout simplement. Vous voyez, avec le crochet, j'ai fait glisser le fil, vraiment dans la pointe du premier rang. Et je viens faire un double nœud pour le fixer. Enfin, un double nœud. On va quand même insister, on va en faire plein. Je vais en faire au total 5. Ça, c'est vraiment pour avoir de la sécurité.
avec l'aiguille Allen, ici, on vient passer les morceaux de fil et vous les passez directement à travers le pompon. Vous ne cassez pas la tête, vous les faites descendre. Et maintenant, vous voyez, quand vous les recoiffez, tout est à la même longueur. Donc voilà, ici, j'ai complètement terminé ce col-là. Maintenant, je vais prendre donc le deuxième, le rose, et je vais venir lui mettre également le pompon. J'ai ici les deux cols complètement terminés. Donc vous avez vu, facile à faire, vraiment. En quelques heures, c'est réglé. Si vous vendez ce que vous crochetez, vos ouvrages, je vous conseille réellement cet ouvrage. Hein. Vraiment, va très vite, ça, le col bling bling. Et ça, sur les marchés de Noël, etc., c'est facile à mettre. Vous voyez, il suffit que vous en portiez un vous-même quand vous le vendez et ils vont voir comme c'est moderne les gens. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Moi, je l'ai fait dans une couleur bleu ciel et un rose un peu plus... un rose vieux. Bien évidemment, vous le faites avec la couleur que vous souhaitez. Gris, crème, enfin, je sais pas, blanc. Les couleurs que vous aimez porter. Donc voilà, on a plein de couleurs dans cette gamme-là, moutarde et tout. Donc voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Ben écoutez, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. C'est un petit tutoriel express. Il est très facile à réaliser. Donc voilà, écoutez, j'attends vos photos sur la page Facebook. Je vous fais un bisou et je vous dis rendez-vous bientôt pour un prochain tutoriel. Bisous !